Time Up Blitz avec un deck un peu à la Clash Royale où tu dois jouer des decks de monstres, enfin, où tu dois faire des tirages, enfin, c'est un truc malade, malade mental. Du coup, nouvelle partie. T'as pas les DLC, donc on fait Outer Worlds 2. Sur la sauvegarde automatique, voulez-vous recommencer une nouvelle partie? La sauvegarde automatique existante pourrait être désactivée. Quand 20 ans faut que Je j'aille m'en pisser fous. sa mère. Alors, c'est quoi la différence entre un light novel et... Magnifique. Yo yo yo. Souhaitez-vous rejoindre la mission nanana sur Heroic? C'est quoi? Ah ouais, carrément.
On va en mettre Ouais, héroïque. c'est pas légendaire, hein. Tout à l'heure on était en héroïque. Mais t'avais deux potes en héroïque et un en légendaire. Et pourquoi ce jeu-là, tu peux jouer en coop la campagne et le dernier halo tu peux pas faire. T'as dit que ça arrive plus tard, donc ça veut dire que c'est prévu, quoi. Allez, immersion totale, les gars. C'est quoi ce UNSC déclaré perdu corps et bien. Ah ouais. Pourquoi? Putain, même les cinématiques elles sont stylées. Que je n'ai pas pu anticiper. Un tel aveu ne manquerait pas de faire sourire le professeur Anders. Alors que cela reste entre nous, s'il vous plaît. Nous sommes à la dérive depuis 28 ans. Trop tard, un jeu de. Tu m'as fait télécharger un jeu, gros. Les systèmes sont donc je m'attendais à opérationnels. Les cryotubes ont rempli leur rôle. Et tout l'équipage est prêt à reprendre. Pense à mettre ton audio dans le live. C'est déjà fait. Eh bien, vous n'ignorez rien de l'obsolescence programmée des états. Regarde, tout le monde dans le vaisseau, frérot. J'ai donc pris mes propres dispositions plutôt que de vous réveiller. Je ne voulais pas... Bref, j'espère que vous me pardonnerez cette dernière entorse au Le Spirit of Fire est un vaisseau légendaire dans l'histoire d'Halo. C'était un honneur de servir à vos côtés. C'était dans les débuts, ça, non? Le premier Halo. Bah ouais, bah oui, c'était avant là, la plupart du temps, c'est avant. Ça se passe à Halo Wars, ça se passe avant Halo normal. Serena, terminé. T'as pas ah, encore ouais. Le Master Chief et tout ça. Là, ah, ça se passe normalement okay. Avant. Et là, c'est le Captain Cutter. Donc en fait, t'avais que des soldats, t'avais pas les Master quoi. Enfin, t'avais pas les si, Spartans. T'en as, t'avais des Spartans. Bah si, le Spartan parfait, je te rappelle, c'est le 107. 117. Le Spartan parfait, c'est-à-dire celui qu'on contrôle, c'est il est dans la il est dans les chiffrés dans les centaines. Ça veut dire qu'il y avait des Spartans avant. Ah bah oui, forcément. Forcément. Donc si, il y avait déjà des Spartans avant. De toute façon, tu les avais les Spartans dans le mode multijoueur. Ouais. Le mode de scam. Ouais. Ah, enfin, en fait, ceux-là, c'est avant le 117. En fait, le 117, c'est le dernier, en fait. C'est l'un des derniers. Le plus tôt possible. Franchement, j'ai pas suivi toute l'histoire, j'ai pas encore terminé les premiers. J'ai fini que le troisième, hein, au niveau de l'histoire. Hein. Tout le plaisir est pour moi. 107. Mais regardez. Qu'est-ce que c'est? Et où sommes-nous? C'est-à-dire qu'on pourra jamais. Aucune idée. J'aime voir ces vaisseaux-là en vrai. Le système d'astronavigation n'arrive pas à trianguler. On a disparu de la carte. Un futur, c'est incroyable. Voilà, en vrai. On est sur un vaisseau qui a disparu pendant 48 ans, précisément. Ans. Ils ont hiberné pendant 48 ans. Enfin, 28 ans plutôt. Il dit la merde. D'après les là, ils viennent tous de se réveiller. Du sous-espace, si ouais, ouais. Moins d'une... Comme le film Passenger, je sais pas si tu connais. Si nous sommes là, il est certain que ce n'est Passenger, pas ils dorment tous pendant 100 ans, je crois. Quelque chose en surface a dû ouvrir le portail de ce côté pour nous attirer. Après, je sais pas si Halo Wars 2 ça se passe après Halo par contre. Je sais que le premier se passe avant, avant l'histoire d'Halo. Enfin, ça se passe pendant la guerre avant l'histoire d'Halo. Mais après Halo Wars 2, je me souviens plus du tout si c'est avant ou après. Hein. Je préfère prévenir. Parce que je sais que le premier Halo, lui, il se passe bien avant. Tu vois, on se le fera de C4 aussi, le premier Halo. Il est pas mal aussi. C'est un bon signe. Elle est longue à faire. Sauf que. Ce signal est la non, preuve il que est pas l'UNSC est encore en lice, voire victorieux. Et en plus, il prend rien du tout en place, il prend 10 gigas, je crois, le premier. On n'en sait pas plus pour l'instant, chef. C'est pas Anders, elle. Quelque chose à la surface. Si, c'est professeur Anders, ouais. Mais sans Serena. Mais, ceci dit, on a des coordonnées approximatives. Ça devrait nous permettre de trianguler dès qu'on aura capté le signal au sol. Jérôme, ici Cutter. Je vous écoute, capitaine. Préparez l'équipe rouge de Spartan et une équipe. J'ai pas pu voir le vaisseau à quoi ressembler aussi. Découvrez l'origine du signal. Vous avez une heure. Restez discret. À vos ordres, capitaine. On y va. 28 ans, professeur. Voyons ce qu'est devenue la galaxie. Putain, ils ont dormi 28 ans. Eh ben, mon dieu. Truc de fou. Ah, c'est trop stylé, gros. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Putain. Ça fait un bail que j'ai pas fait la campagne, je préfère te dire, je la connais presque plus, gros. Ça fait trop longtemps. Je l'ai fait à la sortie du Professeur jeu de la campagne. Anders, du nouveau sur la source de ce signal? J'ai quand même fini par circonscrire un secteur restreint.
Et nos éclaireurs sont sur le coup. J'ai réussi à déchiffrer les images. Il semblerait qu'il y ait un avant-poste où... Spirit of Fire, j'approche de la zone de largage avec l'équipe rouge. Largage imminent. Et... Esprit du feu. On a de Donc là, normalement, on va être le sergent Forge, quoi. Ah non, c'est les Spartans là, c'est pas encore Sergent Forge. Bien de retrouver la Terre. Je sais même pas si on voit encore Forge en vrai dans celui-là, je me dis de la merde. On vient juste de débarquer, Douglas. On ne sait rien de cet endroit. Alice a raison. Ah, c'est vraiment le début. On sait pas ce qui nous attend là-bas. Restez sur vos gardes. Indiquez-moi quelles sont mes cibles, chef. En fait, t'en contrôles un, j'en contrôle un. Ouais, ouais. C'est stylé. Je me mets en route. Rocco 1, on va prendre les soldats là. On a posé des charges pour dégager la voie quand vous serez prêts. Je ne sais pas contre qui ou quoi ils se protégeaient, mais il y a des sacrées barricades par ici. Écartez-vous! Fais sauter ces charges. 092 au rapport, chef. Bâtiment ennemi! On bouge! En avant! Jérôme, ce ne sont pas des défenses militaires. Non. Ça a été fait dans l'urgence. Ils devaient être désespérés. Pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas de défense? Ils auraient dû prévoir une attaque covenante. Il a pris des dégâts, hein. En avant. Ouais. J'ai pris les dégâts avec l'explosion qu'on a fait, là. Attention, il y a un trou devant. Il y a un trou. Ça m'a manqué, ça. C'est stylé. En fait, c'est vraiment comme si c'est comme le halo, mais vu d'en haut, quoi. Ça ressemble aux Covenants. Je me mets en route. Encore des traces de plasma. Ils sont tous détruits sur leur passage. J'ignore qui a fait ça, mais ils sont partis depuis longtemps. On en saura plus en trouvant l'origine du signal. Qu'est-ce que ce Natty de Gale fait ici? On a des blessés? Spartan en route. Quand on perçoit, il arrête pas de dire ouh. En avant. C'est une des équipes de reconnaissance. On l'a trouvé comme ça en arrivant. On sait pas ce qui s'est passé. Cette mission devient de plus en plus intéressante. Affirmative. Jérôme, nos équipes de reconnaissance ont sécurisé ce portail. Il vous mènera au signal. J'ai ordonné au reste de nos forces d'attendre et de couvrir vos arrières pendant que vous inspectez les lieux. Oui, capitaine. Spartan en route. Je me mets en route. Professeur, on a trouvé d'autres portails. Mais il y a quelque chose qui cloche. C'est étrange. On dirait qu'ils ont été modifiés. Et les machines qui y sont reliées n'appartiennent pas à l'UNSC. Faites-moi signe si vous en croisez d'autres. Avant-poste scientifique, Henry Lamb, Spirit of Fire. On est juste devant vous. La base a l'air vide à première vue. Allons voir qui a émis ce signal. À 10h. Je sais pourquoi il fait 32 gigas. Parce qu'il y a d'ailleurs là les cinématiques dans la campagne. Des Spartans, enfin. Il faut qu'on se tire d'ici. Identifiez-vous. Isabelle, service logistique de l'UNSC, avant-poste de l'Arche. Isabelle, où sont les survivants? Est-ce que les Covenants... Là, c'est 92. Les Covenants? Non, que... Attendez, écoutez. Vous êtes en grand danger. Non. C'était quoi, ça? C'est lui. Vous venez avec nous. Thank you.
Après, ouais. Tu le reconnais, lui? Atreus? Atriox? Atreus. Ah non, c'est qui? Ouais, c'est ça. C'est lui. Commandement, ici l'équipe rouge. On a un Spartan blessé. Pourchassez-les. Demandons évacuation immédiate. D'où ils viennent. Douglas, me lâche pas. Refaites tout ce que vous trouverez. Douglas. Tout. Ah ouais, ils sont déter. Ah ouais. Gros, on dirait un film, ton jeu. Allez, allez. On a un plan. Bien sûr. Territor Flyer, ici Jérôme. Ici Cutter, je vous écoute. Chef, demandons appui orbital. Sur votre position, direction nord, dans 5 secondes. Ah, ça va partir. Bien reçu. Voilà, tu vois, il est quoi il ressemble maintenant. Mais il est énorme. Il est stylé ça, la main blanche. Allez, on va en retraite. Tu peux faire quoi là? Hey, vous m'entendez? Tu dégages, t'as pas vu les larmes d'ennemis derrière? On va faire mon bail là, chérie. Et puis on reviendra s'occuper de ce brut! J'ai essayé de vous prévenir, vous avez de la chance d'être en vie. Oh. Je m'occupe des gros! Attention, là-bas! Ils utilisent les portails de l'arche. Les portails. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec les portails? Mais j'ai... En gros, au moment où j'allais mourir... Alice, maintenant! Je m'en occupe! Rouille-toi, ils arrivent! C'est bon! Allez, ah, c'est trop bizarre. Isabelle, on est à bord, pilote. Allons-y. Jérôme, une équipe médicale est en place pour Douglas. Je veux que cette IA et vous me fassiez un rapport complet dès que vous serez sur le Spirit of Fire. On a raté pas mal de missions, hein, parce que là-dedans, t'as plein de petites missions secondaires, de petits bonus, des trucs. Ah ouais? Je savais pas ça, tu vois. Ouais. Alice a été sur place. Elle va faire profil bas en attendant de pouvoir nous rejoindre. Chef. Isabelle, voici le capitaine Cutter. Je sais qui vous êtes. James Cutter. Capitaine du Spirit of Fire. On vous disait perdu, vous et vos hommes. Et pourtant, nous voilà. Que s'est-il passé? Je dois savoir ce qui nous attend. Isabelle. Isabelle, répondez. Chef, il y a 5 mois, le portail reliant l'Arche à la Terre s'est refermé sans crier gare. Un mois plus tard, il est arrivé. Qui? Le Brut. Leur chef. Son nom, c'est Atriox.
guerre, son clan a servi de chair à canon pour l'Alliance Covenant. Sous prétexte que mourir au combat assurerait leur salut dans l'au-delà. On les a déployés en masse sur le front. Sacrifiés par groupe de 40. Défendre une cause qui n'était pas la leur. Aucun n'en est jamais revenu. Sauf lui. Combat après combat. Guerre après guerre. Témoin impuissant de la mort de ses compagnons. Atriox s'est fait un nom. À chaque victoire, sa légende et sa haine envers les Covenants ont pris de l'ampleur. Et quand il a fini par devenir trop encombrant, ils ont essayé de l'éliminer. De mémoire d'homme, de toute l'histoire millénaire des Covenants, Atriox a été le premier à oser les défier et à avoir survécu. Et sa rébellion en a inspiré d'autres. Ils sont incroyables. Atriox et ses parias se sont emparés des ressources Covenant. Ils ont mis la galaxie à feu et à sang, et gagné en force à chaque attaque. Ralliant à leur cause un ramassis d'assassins et de mercenaires. En ce temps-là, les Covenants se battaient sur deux fronts, l'humanité et Atriox. Ils ont bien failli nous avoir. Mais Atriox, ils en étaient loin. Même à son apogée, l'Alliance Covenant tout entière s'est avérée incapable de le mater. Voilà ce qui vous attend. Et tout ce dont vous disposez, c'est d'un vieux Rafio avec la moitié de son équipage. Il faut fuir aussi vite et aussi loin que possible. Nous n'avons qu'un vaisseau. Et pas de première jeunesse. Mais on est encore là. 30 ans après notre disparition officielle. Notre guerre est finie. Nos vies d'avant aussi. Les mondes que nous connaissions ont bien changé. Aujourd'hui, tout ce qu'il nous reste, ce sont nos frères d'armes. Et notre devoir qui nous fait avancer, combat après combat, nous restons côte à côte. Ensemble. Vous ne voyez qu'une moitié d'équipage, Isabelle. Je vois une famille. Du courage. Un millier de héros prêts à en découdre jusqu'en enfer et déterminés à ne jamais, jamais tourner le dos pour fuir. Quant à ce vieux Rafio, comme vous dites, c'est chez nous. Et ça, ça vaut la peine de se battre. Si on n'arrête pas Atriox maintenant, la galaxie se retrouvera à la merci d'un monstre. Alors non, Isabelle. Ne comptez pas sur nous pour prendre la fuite. Chef, oui, chef. Capitaine, rien ne vaut un discours enflammé pour organiser les troupes. Mais Atriox a eu des mois...
Écoutez-moi bien. Les parias vont à tout prix chercher à garder le contrôle de cette installation. On ne peut pas les laisser faire. Il était à fond là, le capitaine. Hein. Ah ouais, il est une base avancée. Attendez-vous à rencontrer de la résistance. Vous avez entendu le capitaine, assaut 1. En avant, Marines. Moi je suis Spartan, toi t'es les Marines. Spirit of Fire, le camp des parias est en vue. Terminé. Bien reçu, assaut 1. Éliminez-les. Terminé. Lancez le tir de suppression, soldat. Ennemi neutralisé. 092, sous le feu. Terminé. Le camp est vide, la zone sécurisée. Jérôme, l'ennemi a des troupes stationnées un peu plus loin. Je vous envoie des renforts pour les éliminer. Toutes les unités sont larguées sur zone. En avant. T'as bien un soldat, d'abord. D'abord. Un soldat lancé. Spartan en route. Hey, attends. Signez-les, Hellbringer. Les troupes au sol me chargent des coups, terminé. Les troupes au sol me chargent des coups, terminé. La tour Fort Runner qui se trouve plus loin émet une formidable signature énergétique. Emparez-vous-en et nous pourrons utiliser cette énergie. Bien sûr, professeur. Capturez ce nœud d'alimentation, soldat. On dirait que les parias utilisent ces nœuds pour extraire de l'énergie de l'arche. Mais maintenant, je peux les reprogrammer pour alimenter nos bases au sol. Merci, professeur. Je vous fais signe si j'en vois d'autres. Et maintenant, trouvons un moyen de franchir ce canyon. Pont activé. Allons-y. À toutes les unités visibles. Jérôme, le capitaine déploie un contingent important sur la zone cible. Essayez de coordonner vos attaques. Où tu peux aller là-bas? Tu passes par le pont? Pas de pont. Ah ouais, si. Infanterie ennemie en vue. Hellbringer, à vous de jouer. Les humains, arrêtez-les ou Decimus nous tuera tous. Tiens, tiens. Les parias ont récupéré des ressources, on dirait. Récupérez tout ce que vous pouvez. On risque d'en avoir bien besoin. Les unités, assaut 1, vous approchez de l'opération de récupération de Decimus. Je vous envoie des Warthog pour faciliter la reconnaissance. T'es où, toi ? À toutes les unités. Jérôme, vos unités semblent avoir subi des dégâts. Vous pouvez faire appel au drone de réparation du Spirit of Fire. Je les ai activés pour vous. En avant. Vas-y, bouge pas. L'opération de récupération de Decimus est juste devant vous. Spirit en approche, préparez-vous. Placez des hommes dans ces garnisons vides, Jérôme. Ils seront mieux protégés contre la base des parias. Ils essaient de nous arrêter pour voir. 092 au rapport, chef. Nos alliés attaquent la base ennemie.
Jérôme, utilisez les lance-flammes de Voelbringer pour incendier cette base. Attention, des ennemis! On a détruit une structure ennemie. Entendu, chef! Chef! Une nouvelle navette arrive. On y va! Ça me démange déjà! Des troupes au sol me chargent des coups! Un jeu d'enfant! Allumez-les, Hornet! On a détruit une structure ennemie. Spirit of Fire, on a détruit la base. Quels sont les ordres? C'est un site idéal pour établir une base. Ce sera le centre de vos opérations, et une fois qu'elle sera construite, vous pourrez installer plus de structures pour créer une armée. En garnison. Capitaine, je détecte une transmission sur un des canaux Paria. Vous pouvez l'intercepter, Isabelle? On n'a pas bougé là, on est en train de faire une base là. C'est l'action, chef. Okay. Ah, toutes les équipes de récupération ici, Décimus. Pourquoi avez-vous arrêté la production? Répondez! Bien, on a attiré son attention. Il ne va pas tarder à découvrir ce qui s'est passé. Isabelle, continuez à intercepter les transmissions et à nous les envoyer. Jérôme, établissez cette base. Warthog prêt à rejoindre le front. Mon Warthog est impatient de passer à l'action, chef. Affirmatif. À toutes les unités visibles. On bouge. Maintenant que la base est sur pied, les plateformes de ravitaillement sont disponibles. Construisez-en une. Les plateformes de ravitaillement vous apporteront un flux constant de ressources pour créer votre armée. Maintenant, placez un générateur pour lancer la production d'énergie. Il vous faudra de l'énergie et du ravitaillement pour créer plus d'unités spécialisées. Maintenant que la production de ressources est lancée, construisez une caserne pour placer des unités d'infanterie avancées. L'infanterie est votre ligne de front. Ainsi que l'une de vos unités. Voilà, c'est un peu le tuto de ce que t'as fait en multi, donc tu sais déjà ce qu'il faut faire. Les boîtes de marine sont désormais disponibles dans votre QG. Un peu plus long. Ces unités de combat, efficaces dans toutes les situations, peuvent capturer des objectifs et récupérer des ressources sur le terrain. Vous avez une bonne installation de départ, Jérôme. Vous pouvez y ajouter des ressources, une caserne ou des tourelles automatiques pour la défendre. Merci, capitaine. Il est temps de leur rendre la monnaie de leurs pièces. Marine, parée au capitaine, je détecte une forte concentration d'énergie en orbite au-dessus de notre base. Bombardement plasma imminent. À couvert, assaut 1. Voilà tout ça. Vous êtes sorti de votre trou pour vous refaire humilier. Je pensais que la première fois vous aurait suffi. C'était un avant-goût de notre puissance. Humain, si vous en voulez plus, je suis là. On ne peut pas refuser une telle invitation. Quels sont les dégâts? Rien que les drones de réparation ne puissent remettre en état. On a eu de la chance cette fois. Le rayon plasma provenait du transporteur des Parias, le même qui a attaqué mon avant-poste. Les autres équipes de récupération de Décimus se trouvent au nord, à l'emplacement indiqué sur votre carte. Faites-le payer. Je lui transmettrai le message, Isabelle. Allez, en route. Je quitte la garnison. Affirmatif. À toutes les unités. Je me mets en route. Je vois des forces ennemies. Terminé. À toutes les unités. Ça va laisser des cicatrices. Tourelle construite. Ça fait très mal, hein. Non, d'accord. À toutes les unités.
Un autre nœud d'alimentation. Si on le capture, Decimus sera privé de ressources. Et notre production augmentera. Prenez tout ce que vous trouverez. Isabelle, d'où viennent tous ces débris? Une bataille a eu lieu ici, à la fin de la guerre. Le Major nous a tous sauvés. Pouvoir de chef, prêt. C'est bon de savoir que John est toujours parmi nous. Attention, ennemi repéré. Ne laissez pas les humains s'approcher de nos sources d'énergie. Bougez-vous et massacrez-les. À toutes les unités. Je libère tout de suite, Jeff. À toutes les unités. En avant. Marine paraît au combat. Cible localisée. Paraît à tirer, Marine. Je peux pas les prendre, ces balles-là, là. Faut que tes gars passent de par-dessus. Toutes les unités. Quand on vient derrière. Une émission secondaire, c'est de prendre toutes les trucs d'énergie. T'en as une, c'est au-dessus de notre base. Je le libère tout de suite, Jeff. Ah ouais. Empêchez-les de prendre nos ressources et triplez-les. Hellbringer à votre service. Des véhicules ennemis nous... À toutes les unités. Libère tout de suite, Jeff. Ils vont nous descendre en flammes. Pouvoir de chef, prêt. Atrios n'aurait pas dû vous laisser vous échapper de la base humaine. Il a peut-être cru bon de jouer avec vous. Mais je ne serai pas aussi clément. À toutes les unités. J'ai un succès. Vas-y, on peut y aller. Hein? J'ai un succès. À peux récupérer un crâne. Visible. Je détecte une autre concentration d'énergie. Tous à couvert. À couvert, tout le monde. Wow. Comme toutes nos autres victimes. À toutes les unités. Oh, c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça?
toutes les unités. J'ai besoin de réparation, chef. Les troupes au sol me tirent dessus. Oui, chef. Marine. Chef, mon unité est prête. À toutes les unités. Toutes les unités sont larguées sur zone. Ennemis à terre. Les troupes au sol me... Hélico quitte la zone de largage et retourne à la base. Putain, il est solo le Spartan là. Il est tout seul. Wow. On bouge. En garnison. On se réveille les gars. L'ennemi est là. Pourquoi il y a trop de gars? Les troupes au sol. Plateforme de ravitaillement construite. Marine au rapport. Les troupes au sol me cherchent des poux. Terminé. Toutes les unités sont larguées sur zone. Warthog prêt à rejoindre le front. Marine parée au combat. À toutes les unités. Les troupes au sol me cherchent des poux. Terminé. Les troupes au sol me cherchent des poux. Terminé. À toutes les unités. J'attends vos ordres, chef. Repéré. À toutes les unités. À toutes les unités. J'y vais à fond la gomme. Nous avons perdu les troupes. Super mal son rayon, frère. Les troupes au sol me cherchent des poux. Terminé. Je quitte la garnison. À toutes les unités. Pouvoir de chef, prêt. Hellbringer au rapport. Mais toi, t'es où, toi? À toutes les unités. Hellbringer au rapport. Je me sens un peu faible, chef. À toutes les unités. Cible localisée. Paré à tirer, Marine. Ennemi à terre. À toutes les unités. Fallait m'attendre, pourquoi tu m'as pas attendu? Bah ouais, tu vas te faire éclater, gros. Plus toi. Attends qu'il y ait tout le monde. Est-ce qu'on a un soutien aérien? En route. J'accélère. Hellbringer à votre service. À toutes les unités visibles. J'écrase les ennemis. L'ennemi en bouge avec des véhicules. Ils vont nous descendre en flammes. L'ennemi n'aura plus de temps. Spartan en route. Cette localisation sera un jeu d'enfant. Entendu. 10-4. Les troupes au sol me tirent dessus. Oui, chef. On s'installe, les gars. On se met en garnison. Hellbringer à votre service. À toutes les unités. On va leur montrer ce qu'on sait faire. L'ennemi attaque avec des véhicules. À toutes les unités visibles. Les troupes. Toutes les unités sont larguées sur zone. À toutes les unités visibles.
trous motrices, c'est 4 fois plus de dégâts. Marine au rapport. Les véhicules ennemis vont plus en chasse. Terminé. Cible éliminée. Les véhicules ennemis nous attaquent. Terminé. Pélican quitte la zone de largage et retourne à la base. N'oubliez pas de garder l'œil ouvert, soldat. Pouvoir de chef, prêt. Compliqué. Tu sais qu'il y a le Spartan, il est toujours en front, hein. J'ai vu ça. Attends, bah vas-y, ramène tout le monde. À toutes les unités. Marine, parée au combat. À toutes les unités. Impatient de passer à l'action, chef. Je m'en charge. Ennemi repéré. Débarrassez-moi de ces piétons. À toutes les unités. À mettre leur rayon, gros, c'est chaud. Ta main. Le Warthog de la mort. Ouh. Débarrassez-moi de ces piétons. J'attends vos ordres, chef. On s'installe, les gars. On y va, Marine. On s'installe, les gars. Les troupes au sol me tirent dessus. Toutes les unités sont larguées sur zone. À toutes les unités. Les troupes au sol me tirent dessus. Quand quitte la zone de largage et retourne à la base. Des véhicules ennemis nous attaquent. Terminé. Chef, mon unité est prête. Indiquez-moi quelles sont mes cibles, chef. En garnison. En garnison. Des véhicules ennemis nous attaquent. Les troupes au sol me tirent dessus. À toutes les unités visibles. Passez à l'action, chef. À toutes les unités visibles. Contact. Les troupes au sol me tirent dessus. Bah, je préfère une galère là. Une galère là. Tout à l'heure on a avancé direct et là d'un coup. Parce que... Mais là je suis dans leur base, moi j'essaie de faire un peu le ménage. Mais c'est un peu compliqué, quoi. Encore un ennemi qui mord la poussière. Je comprends rien. Hein. J'y vais à fond la gomme. Cible localisée. Parée à tirer, Marine. Marine au rapport. Charge d'époux, terminé. Indiquez-moi quelles sont mes cibles, chef. En garnison. Marine, c'est parti.
passe à l'attaque. Débarrassez-moi de ces pieds. Thomas, gros, c'est pas possible. Je peux pas avancer. Je peux rien. C'est en train de me prendre la tête là. Contourne, moi j'ai contourné. Hein. Je passe par la droite et après tu vas en bas. C'est ce que j'ai fait, bon, j'ai pas rencontré de difficulté. Hein. Marine, parée au combat. On y va. On bouge. Débarrassez-moi de ces piétons. Attention, des ennemis. Débarrassez-moi de ces piétons. Marine au rapport. Toutes les unités sont larguées sur zone. J'ai besoin de réparation, chef. Marine, parée au combat. À toutes les unités visibles. À toutes les unités visibles. Marine, un parcours de santé nous attend. Les troupes au sol me tirent dessus. Vous attendez qu'ils fassent un carton ? Bougez ! Oh non. On s'installe. Pélican quitte la zone de largage et retourne à la base. On y va, Marine. À toutes les unités visibles. Chef. Bah voilà. On peut respirer un petit coup. À toutes les unités visibles. Attention, ennemi repéré. À toutes les unités. Débarrassez-moi de ces piétons. Ils ont des chasseurs. Hellbringer, éliminez-les avant qu'ils détruisent nos Warthogs. Unité. En avant. Marine au rapport. Tourelle construite. J'accélère. N'oubliez pas que vos marines sont des grenades. Utilisez-les pour détruire cette base. L'unité ennemie est déjà morte. Reçu à exécution. À toutes les unités. Pouvoir de chef, prêt. À toutes les unités. J'écrase les ennemis. 10-4. Tourelle construite. Nos alliés attaquent la base ennemie. Les troupes au sol me tirent dessus. L'unité ennemie est déjà morte. Les troupes au sol me tirent dessus. Ils sont coriaces. Oui, chef. Nos alliés attaquent la base ennemie. Ça va être du boulot. On a détruit une structure ennemie. À toutes les unités visibles. Suppose que c'est Décimus. C'est quoi ça? Il a l'air plus grand que la dernière fois que je l'ai vu. Je viderai vos crânes. Et je les donnerai comme jouets en avant. Commandant, annihilez ces créatures. Décimus ordonne un bombardement sur sa propre position depuis le transporteur. Repliez-vous. En fait, c'est GD. Même pas. Les ennemis arrivent en bas. Ah, t'inquiète, je m'en occupe. Ennemis à terre!
On dirait du Warcraft, frère. Vas-y. Commandant, continuez de tirer. Réduisez-les en cendres. Rempli. Avec clair aussi. Ils sont teubés aussi. Ils sont teubés, gros. Ouais, teubés. Ça va leur faire un choc. On a réussi à l'affaiblir. Un dernier effort. Débarrassez-moi de ces piétons. Regagne la zone de largage et retourne à la base. Attention, ils contre-attaquent. Je suis impressionné, humain. Vous nous reverrez. Ils bombardent sa propre base. Quel monstre. Il n'a pas plus de considération pour les siens que nous. Decimus doit essayer de cacher quelque chose. Fouillez les décombres. Quelque chose, capitaine. Le transfert est en cours. Isabelle, vous pouvez le décrypter ? Oh, je n'aime pas ça. Je n'ai réussi à récupérer que des fragments. Mais c'est à propos d'un cartographe. Le cartographe ? Yes. Pas qui ? Quoi ? Je vous brieferai quand vous aurez regagné le vaisseau. Ça risque de prendre un peu de temps. Let's go ! On s'est battu avec honneur et courage. Cette victoire, on l'a méritée. Même pas la médaille d'or. Les renseignements recueillis dans la base de Decimus indiquent que les parias se servent d'un certain cartographe. Ouais. Qu'en savez-vous, Isabelle ? Mais je suis chaud. Le cartographe est une carte de l'ensemble. Attends, parce qu'il faut que je retourne dans le menu, parce que... Au pire, on va arrêter le jeu comme ça d'un coup, brusquement. Merci les gens d'avoir regardé le live, je dis à plus.